Monsieur Mamadou Diouma Diallo. Vous voulez parler dans quelle langue? Oulara. Où est l'interprète? C'est une nouvelle constitution de parti civil. Je ne sais pas si vous avez reçu. Quel est votre nom, monsieur? Mamadouma Diallo. Hein? Mamadouma Diallo. Mamadouma Diallo. Voilà, parlez dans le micro. Mamadouma Diallo. Quand est-ce que vous êtes né ou votre âge? On te dit bien, donc. Vous dites. Olopio, me dit bien. Hein? Carrière, carrière. Carrière. C'est en dehonde. 1978. 78. Quelle est votre profession? Liguedé. Marchand. Marchand. Où vous êtes domicilié? Dans Hodi Honto. Dar Salam 2. Dar Salam 2. Dites au tribunal ce qui s'est passé. Si vous avez un tribunal, on peut dire. Dimanche, on a eu de lundi, on bim. Dimanche pour le lundi matin. Voilà. Dernier de quoi, Dixi Mewali, Kaladji Selou. Mais tu as gardé rapproché, ma bébé. Nous sommes venus chez Eladji Selou. Je fais partie de la garde rapprochée. Bon, lundi, on bim. Le lundi matin. Vers 8h. Vers 8h. Leader, ben, Seda Ber, devant Moutar, Sidia, Lucien Fall, tu as besoin de. Donc, il y a les leaders, d'autres leaders, Sidia et autres là, ils devraient aller sur Jean-Marie Doré. Voilà. Il faut quitter, tu as auto-jamé, il faut appeler, tu as comment, chef jamé, il faut auto-gouto, il y a des leaders, ben, si bien, ben, donc, après, il y a un cadre. Donc, les véhicules n'étaient pas complètement prêts, et il était question que un seul bouge et puis arrive à chercher. Reprenez la traduction. Hein? Parce qu'on n'a pas compris. Reprenez la traduction. Donc, les véhicules n'étaient pas, tous les véhicules n'étaient pas prêts. Il était question qu'un véhicule bouge d'abord, envoie les autres et revenir les chercher. Ceux qui sont restés. D'accord. Donc, quand ils sont partis, ils ont duré. On a un chef là-bas. Il a dit, ah, ils ont duré là-bas. Bon, ben, je ne sais pas si tu as dit que 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 tu as dit. Maintenant, on va aller faire, on va cheminer à pied. Si le véhicule vient, le véhicule va nous reprendre en route. Il y a tout le monde qui a fait un essentiel. Il y a un fort foule, il y a un fort foule. Dès que nous sommes sortis, on s'est rencontré avec une grande foule en provenance de Amdallaï. Bon, mais Ardino Menema a fait un soutagol à Dixintera, fait une occasion. Donc, nous sommes venus avec cette foule-là jusque dans les environs de Dixintera. Bon, comme je suis venu, je suis venu à l'intérieur de gaz. Arrivé là-bas, il y avait beaucoup de monde, on tirait les gaz aussi. Arrivé là-bas, il y colonel Kébor, après, il y membre de police, il y avait membre de police. Et quand nous sommes arrivés là-bas, Colonel Tchegro, il est monté sur les mamba des policiers là. Après, il est monté sur les mamba. Comme il y avait beaucoup de monde, il a fait les talki, il a fait comme ça. Il dit non, c'est fini, c'est fini. Bon, diamant après, il est donc au Yarika, Yargol, à l'université. De là-bas, il a quitté pour aller vers l'université. Donc, il s'est rencontré avec les leaders là-bas. Longtemps, on a dit qu'ils sont bloqués là-bas. Allons-y là-bas. Parce que nous, notre mission, c'était de chercher les leaders. Donc, nous, notre mission, c'était de chercher les leaders. Parce que c'était leur sécurité. C'était pour les sécuriser. Notre mission, c'était ça. Comment est-ce que tu as dit, Donc, à notre arrivée là-bas, ils avaient quitté déjà. Mais faut-il donc un leader, bébé? On s'est rencontré avec les leaders. On s'est rencontré avec nos amis là-bas. On a fait la ceinture là-bas. On s'est pris les mains. Nous sommes venus jusqu'à la porte du stade.
Le Mamba policier qui était là-bas faisait le tour. Il forçait à ce que les gens ne rentrent pas là-bas. Le Mamba faisait le tour. À notre arrivée, les portes étaient déjà ouvertes. Beaucoup de personnes étaient déjà rentrées. Bon, mais... Même nous, on était complètement épuisés. Le fait que la foule nous remuait. Nous sommes partis dans les tribunes. Les gens sont rentrés. D'autres priaient là-bas. D'autres avaient des drapeaux qui se promenaient dedans. Avec les leaders, nous, on était montés en haut là-bas, dans les tribunes. Un instant, ils ont tiré les gaz là-bas. En ce moment, ils ont tiré beaucoup de gaz. Il y a beaucoup qui détenaient les mentelatons. On appliquait ici sur la figure des leaders. Nous aussi, on appliquait les mentelatons ici. Ils ont tiré quelque chose là-bas. Ça a remué toutes les tribunes là. Donc les leaders se sont murmurés quelque chose dans les oreilles comme ça là. Nous aussi on a renforcé les ceintures. On est venu s'accroupir sur Echo comme ça. Groupe militaire police mixte gendarme. Un groupe mixte militaire police gendarme, ils sont montés dans les tribunes. Ils étaient avec commandant Toumba. Il avait son talki ici. Il dit, quels sont ceux qui sont là? Il dit, c'est les leaders. Tous les leaders, suivez-moi. Donc, nous on était vers les cabines de reportage là. Donc ils nous ont dit de les suivre. Oui, c'est le leader. Hein? Oui, le leader. Seuls les leaders. Bon, comme heuta donc tay. Comme heuta luma don tay leader ben kam ben adam ander ton kan der stade. Avant notre arrivée là, les leaders ils étaient rentrés dans le stade. Bon, mais aro don tay ko heuta don wadde ne jodde tay Donc moi je suis arrivé là-bas, mais il y avait une ceinture, une haie comme ça là. Celui qui vient, tu soulèves tes mains comme ça pour passer. Sorry, il y a un militaire béret rouge court qui avait un fusil avec baïonnette. Il était avec un autre béret rouge géant, de teint clair. Quand je suis arrivé, il dit passe ici. Il a fait comme ça, il a fait soulever les baïonnettes. Moi j'avais fait comme ça. Il a envoyé le fusil pour me percer ici au cou. Je l'ai barré ici. Quand je l'ai barré, et lui et son fusil, ils sont partis tomber sur les gens de l'autre côté. Bon, après, on verra le jour, je m'en connais, Il y avait son ami béret rouge qui tirait, mais c'était des tirs de sommation, il tirait en haut. Il était sur les grillages. Un pied sur les grillages, un autre pied sur l'escalier. Il dit, ah, tu vois ce que je fais, va, passe en bas comme ça là. Bon, mais sorry, je suis venu entre ses pieds comme ça. En rentrant tout juste au stade, celui que j'avais propulsé là avec le fusil, il est tombé. Il m'a vu dire, arrêtez le bâtard là. Oui, lui, c'est un sportif. Là, j'étais arrêté, je parlais avec d'autres, mais ils avaient barré avec les fusils comme ça. Il est venu avec les crosses de fusil derrière ici, il m'a tapé, il m'a donné un coup ici. Dès qu'il m'a frappé là-bas, je suis tombé. J'ai porté une paire Timberland neuve. Pantalon kaki. Pentagone. Là où je suis tombé, là, ils ont enlevé les paires.
Ils ont enlevé le pantalon, j'avais la somme de 150 000. Ils ont enlevé ça, bon, je suis resté là-bas jusqu'à ce que je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je me suis vu entre deux corps. Après, un père rouge, vino de monsieur le fait, on t'a réouti. Le béret rouge qui m'avait dit de passer entre ses pieds ici, lui, il était arrivé encore. Si tu viens ici, ils vont te tuer, il faut t'habiliter quelque part. Bon, après, alors aide-moi, je vais sortir. Dit non, je ne peux pas t'aider. Il dit là où tu es couché là, c'est mieux pour toi que d'aller dehors. Il dit débrouille-toi là-bas. Je me suis couché là-bas un peu. Ah, j'ai pensé là-bas, finalement je me suis réveillé. Donc je suis parti vers la porte pour sortir. Donc j'ai trouvé les gens là-bas, il y avait bousculade beaucoup, ceux qui portaient les maillots de Chelsea. Ils étaient arrêtés comme ça des deux côtés. Mais dans ces bousculades-là, même si vous voulez vous retourner, vous ne pouvez pas. Parce que c'est les gens qui te poussaient. J'étais accompagné par une grande dame, une grosse dame, très bien formée. Dès que nous sommes arrivés ici, l'autre a fait le couteau, il a planté sur la fesse ici. La femme a formulé l'intention de. Un autre est venu ici, il a pêché ici, il a étranglé là-bas. Comme on était collés comme ça, deux autres, tout son sang est venu sur moi. Bon, quand avec le jet du sang là, j'ai fermé les yeux. Je ne sais pas comment j'ai dépassé là-bas. Je me suis rencontré avec notre chef là-bas, commandant à Dixin. Donc lui aussi il était couché sur le corps, les dos comme ça là, il a porté une culotte. Il dit ah, est-ce que c'est pas des morts ça? Bon, mais ngar ditel ngar dugol on ka commune. Nous sommes partis vers la commune. Donc il y avait beaucoup de monde là-bas, les gens ils avaient monté sur les acacias qui sont là-bas. Acacia qui après acacia qui heli. Et puis le cassia là, c'est cassé. Ceux qui étaient montés sur l'arbre là-bas sont tombés sur les autres. Mais vous voyez les gens tomber sur vous, mais vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas vous remettre, tellement que la foule était compacte. Bon, mais donc après, mais t'as gardé notre tabac donc de ma yimbe fija ou goka cour. Je suis parti, j'ai trouvé quelqu'un qui aidait les gens pour escalader les cours. Lui il était accroupi comme ça. Quand je suis venu, j'ai sauté, j'ai pris le mur. Je suis venu m'asseoir sur le mur. Bon, il y avait un vieux adulte là-bas aussi. Il dit, mon frère, petit frère, ne me laisse pas ici. J'ai dit, ah, prends mon pied. À travers mon pied, il est monté comme ça, j'ai pris la main, il est monté. On est parti dans une autre cour. Il se trouvait que deux vieux soldats étaient là-bas. Il dit, ah, retournez-vous. Il dit, retournez, on ne peut pas se retourner. Laissez-nous passer. Il dit, bon, d'accord, débrouillez-vous là-bas. Bon, après, mais yalti dom men tikori mengari fendo yaltu gol ara fendo ka commune da. Nous sommes rentrés là-bas, nous sommes venus vers la commune. Minema ben avec le vieux. Comme yata men taji tu dom. On voulait traverser là. De fer le ma ben.
ils ont tiré sur le vieux. Ah, ben, ah, ben, là. Le vieux a dit, ah, ils ont tiré sur moi. J'ai tourné dos comme ça là pour regarder vers Marocana, mais ils étaient nombreux les militaires là-bas. Bon, après, mina, do, oti, ala, ko, ay, fer, do, oti, dogi, ukori. Donc je dis, il n'y a pas de problème, je ne peux rien faire ici, j'ai couru maintenant. Voilà. Nous sommes arrivés à Dixine Foula, ils sont rentrés dans le quartier là-bas. Ils sont venus à Afia. Sympa de. Pieds nus. Kilote, fétiche, comme fétiche, débardeur. Kilote, jarre, fétiche, débardeur. Bon, tu arrives à Concasseur. Je suis arrivé à Concasseur. Mais tu arrives à Caradar. Je suis venu jusqu'au niveau du radar. Armitai d'Angore, j'ai tourné au personnel Benin, Big Dollar. Donc, j'ai trouvé un ami qui faisait le théâtre qu'on appelait Big Dollar. Ok, mais donne pas de gomme, j'ai noyé tout nos zones. Il m'a donné des paires gomme qui étaient à la vogue. Ah, mais autre gazoude. J'ai porté ça jusqu'à la maison. Armitai autre gazoude, mais t'as vu un jour des bâches, il est du matin, donc doit être calme. Donc, mais n'importe quoi, ben là, mais dans quelle salle. Donc. Arrivé à la maison, j'ai trouvé ma maman là-bas, elle avait attaché son ventre, elle était assise comme ça, elle dit, ah, des enfants, mes enfants, ils sont tous au stade. Quand je suis arrivé, en ce moment, ma tête était complètement dérangée. Quand je suis arrivé là-bas, je suis venu, j'ai fait deux rakats d'abord, voilà. De prière. C'est que ça, c'est que comme ça, ça se passait. Quels sont les agents que vous avez pu identifier au stade ce jour? Ce que je n'ai pas vu là-bas, c'est la douane seulement. Police, gendarme, militaire. Police, gendarme, militaire. Et tous, ils étaient là-bas, pleins. Vous avez pu identifier quelques-uns? Non, what be doing? Be wale andu tude. Komi andu tude na woko commandant tumba. Ondo wadano go. Ondo no kolide bentungo dewi na tipo. Donc ceux qui m'ont fait ça, je n'ai pas pu les rencontrer. Celui que j'ai rencontré, c'est commandant Tumba, mais lui ne m'a pas touché. Qu'est-ce que vous avez subi? Ceux qui m'ont, le coup qu'ils m'ont donné ici. Et ici, ils m'ont percé ici aussi, le bête de couteau. C'est à ce niveau-là. Ministère public des questions.